Est-ce que ça c'est de l'acting les amis? Je viens vraiment de me réveiller, mais j'avoue que j'ai mis le réveil une minute plus tard pour la vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où bah, je me réveille parce que j'en profite de dormir les amis. On va faire avec Bouzy, avec Dobby et avec Boko la plus longue course d'endurance. On va pas dormir. Dans quoi tu nous as embarqué Boko? Tête à queue, en face de moi, derrière moi, en sandwich. Il est premier. Il est premier de la course. 25 heures sur le circuit de Spa-Francorchamps, pour ceux qui connaissent la Formule 1, c'est un circuit mythique, dans une coccinelle, mais une coccinelle qui bombarde. Je vous avoue qu'on a zéro entraînement. Aujourd'hui on est jeudi, la course est samedi. Aujourd'hui c'est essai, on teste un petit peu la voiture, etc, la piste, tout ça. Vendredi, c'est qualif, pour voir un petit peu on part combien. Samedi, 16h30, la course qui commence, 25 heures. Et apparemment, il y a un niveau de fou furieux. Le but, je vous le dis pour nous, c'est juste de kiffer et de finir la course, parce que rien que finir la course, c'est un exploit. Enfin, je vous emmène avec moi, c'est parti. Hein. Avant toute chose, on n'oublie pas les petits pouces, les abonnements, les commentaires. Ça va beaucoup l'équipe. La forme. Les gars, c'est un canve. Mon petit frère, il est là pour nous encourager. Le petit Dobzer. Et les amis, je vous présente le grand Boko. Ça va ou pas? Ça va, mon gars, j'ai mis un t-shirt. Les amis, vlogger, là. C'est grâce à lui si on finit sur le podium. Déjà, si on finit, c'est déjà très beau, les gars. Ah oui, j'avoue, ton t-shirt il vlog. Pilote professionnel, le mec il a roulé avec Verstappen, coéquipier avec Russell. Voilà. C'est déjà bien. Et là, il est coéquipier avec nous. Et je roulais en Porsche Super Cup et en carré avec France pendant la saison. Le boss, ouais. Le boss. Et Bouzy qui est ici. Ça va, Bouzy? Ouais. Ça va. Ouais. Les gars, Bouzy qui nous rejoint vendredi. C'est-à-dire que lui, quand il va prendre la voiture le jour de la course, mais mec, il avait fait ça autrefois. Il aura jamais roulé. Peut-être s'il arrive à temps vendredi après-midi, il peut faire une petite séance. Mais c'est possible qu'il prenne la course sans avoir jamais testé la voiture. Ah ben s'il arrive pas à temps, oui. On va nous appeler l'équipe des guignols. Voilà. Est-ce que t'as un problème de transit? Des primos. Faut pas qu'on prenne ça avant la course. Hein. Si on doit tenir 25 heures. Tu peux pas t'arrêter. Hein. Tu restes dans la voiture, je m'en fous. Allez, c'est officiel. C'est beau. Et voilà. Tu fais partie de l'aventure, Milo. Et n'oublie pas la banane à l'arrière de la voiture. T'en penses quoi de ma jante? Qu'est-ce que t'en penses? Ça te met en confiance ou pas sur le type de pilotage? L'avantage, tu veux que je te dise? L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de trottoir sur un circuit. Ouah, sale. Ah non, c'est chaud quand même. Ah putain, merde. Bon, je vais pas t'inviter en circuit en ville, genre à Pau. Il y a plein de trottoirs là-bas. Ah oui. C'est le départ de la F1 ici. Ah, mais normalement, il y a des tribunes juste là. Les gars, moi je reviens ici dans pas longtemps en fait. Là, tu sais qu'on te voit pas là. Mais si, on m'entendra. Mais... Ah, ouais. Et il me fume de rire comment il vlog. Attends. Je suis pas expert, moi. Je vais leur expliquer comment on pilote, ils m'expliquent comment on vlog. Hein. Ça va être ça le deal, je pense. Ouais, franchement, c'est stylé de voir du coup avant l'engouement F1. C'est notre camtar où on pourra se reposer dedans. En fait, c'est un vestiaire dans le camion. On dort là-haut, ça lui superposé. Découvert de la voiture, Balouze en tête. Bonjour tout le monde. Oh, mais attends, il y a une McDo à côté, je suis mort de rire. Excellent. Oh, le Balouze avec un Z. Oh, il y a un Balouze avec un Z. Celle-là, elle est Balouzée. Hein. Quelqu'un a un marqueur, s'il vous plaît. On va mettre un Z en plus. Elle est incroyable, j'adore le bleu mat comme ça. C'est fascinant comment ça se monte comme un Lego. Attends, j'ai pas compris, y a pas de phare? J'en t'en as pas, donc t'as ça qui va être en permanence ici. Et pour la nuit, en fait, on vient monter une rampe de phare. Ok, d'accord. Ça se fixe ici, et puis t'as deux loupiottes. T'imagines? En pleine nuit, gros, 4h du matin. C'est comment? C'est étroit? Ah non, ça va, t'as de l'espace. Hein. Attends, faut qu'on m'explique pourquoi il y a un Nokia 3310. C'est ça la radio. C'est excellent. Oh, l'anecdote, j'adore. Celle-là, elle est magnifique. Elle me représente bien. Vous voyez, il se met en vêtements immufugés, c'est ce que tu mets en dessous des vêtements au cas où ta voiture prend feu. Moi j'ai pas les miens parce que je les ai oubliés au GP Explorer malheureusement. Et du coup, Boko il me dit ouais t'inquiète j'en ai si tu veux. Je peux te les prêter. C'est quand t'étais petit ça. C'est ton pyjama. Ça rétrécit au lavage je crois. Mes chaussures, moi, bizarrement je suis passé dedans. Et là, place, là ça va être un peu plus drôle là. Place au t-shirt. Bon je fais ça parce que sinon en vrai... je suis obligé de te dérégler parce que voilà. C'est un peu trop serré à mon goût. Mais... Qu'est-ce que vous en pensez de mon flow là? Quand on sera sur le podium, on va faire. C'est incroyable, putain, c'est incroyable! Est-ce que vous avez la ref? On a fini champion écurie? Champion. Eh ouais, mais j'étais avec deux pieds lourds après. Bah,
T'as ouais. Il pleut. Oui, et d'ailleurs, les... il pleut peut-être demain. Ouais. Enfin, samedi. Ça, c'est bon. Du coup, c'est est-ce, pour qu'on a... ça. Est-ce qu'on aura pas. Comment ça, c'est pour nous? Les deux pieds dans l'eau. Les deux pieds l'eau. Oh là là là. Ça y est, ils ont rajouté un Z à notre voiture. Ça y est, écrit Valouz avec deux Z. Let's go. Donc 78, c'est notre voiture à nous. Ouais. L2, c'est dans deux tours. Club Toyo, le team, 78, votre équipe. Et L-2, c'est LAP-2. Donc ça fait deux tours avant de rentrer. Et il faut pas se rater de garage. Là, ça va, il y a personne ce matin. Mais je t'avoue, quand ça va être blindé le jour J. Quand il y aura 1000 voitures là. Franchement, c'est chaud, c'est ultra fin. Ah, si, c'est que toi tu vas vite aussi. C'est, ça glisse. Mais pour eux, c'est peut-être un peu chaud. Ouais. Il a dit pour eux, ça va être un petit peu chaud, frère. Par contre, ça couche là. Non, mais déjà, moi, c'était chaud. Ah oui? Déjà, moi, c'était chaud. Alors, tu vois, genre, j'ai tourné un volant, tu vois. Hey. Donc là, c'est waouh. Je vais le briefer un peu avant parce que c'est chaud. Là, le prochain virage, ça passe à fond, mais pas au début. Moi, j'ai mis 3-4 tours. Ah ouais? Ouais. On a la confiance? Ouais. Pas bien. Putain, ça faisait longtemps, j'ai grossi la tête. Là, on t'attache bien comme il faut. Oh, mais il est pas profond l'embrayage en vrai. Ressenti, ah ça glisse à mort hein. Mais ouais, j'ai fait un sale tête à queue gros. Je l'ai dit qu'elle était fine hein. En vrai, au début, je prends la confiance, je roule tranquille. Et à un moment, je me dis, celui-là, je peux le prendre à fond. Bah, en vrai, j'ai lâché un petit peu, mais j'ai réaccéléré tôt. Ouais. Ma voiture, elle est partie instantanément. Et là, tête à queue et tout. Bah, j'ai fait un tête à queue, j'ai full frein, de la fumée de partout. Même en F4, j'ai jamais fait ça. S'il pleut, on est dans la merde. Parce que déjà que ça glisse là sur sec, s'il pleut. Wow. Est-ce que t'as hâte que lui prenne la piste? Là ça va être chaud, t'as pas confiance en Bouzy? Bah franchement, je pense que c'est le plus cramé en fait. Cartouche. Ah ouais. On a essayé de pousser, voilà les dégâts. J'ai pris la confiance parce que ça sentait bien. C'est parti ensemble. Ça répare les dégâts. Après une heure complètement rincé, on est dans la merde, je sais pas comment on va faire. 25 euros, tu fais une heure, t'es rincé. J'ai fait une sortie et tu l'as déjà. Ah oui. Ouais, ça a déjà été. Quelqu'un a filé de l'extérieur. Exactement. Ah vas-y montre-moi. C'est laquelle? C'est celle où je prends la pression de derrière. Hop là. Le dérapage dans la terre. Dans les graviers, c'est pire. Attends, mais le moment où le mec il fait une story. C'est incroyable quand même, c'est incroyable. Je me suis bien garé quand même. Non, nickel. Y a des gars, c'est des fous. Je leur laisse de la place imagine, et. Imagine la même chose, mais dans la nuit sous la pluie. Waouh. J'ai mal au front là. Là, on voit que t'es resté un petit moment quand même, t'as des traces. Je vois que ça fait 2 heures que vous êtes dessus, je vais faire attention. Ils ont refait le devant, comme neuf. Loubi, tu veux un Kinder Bueno? Il est où? Je pensais que t'allais arriver plus vite. Les amis, là on va aller sur le Rédillon. C'est Radillon ou Rédillon? C'est la grande ligne droite qui tourne comme ça. C'est et le truc le plus cool. Il faut censé prendre à fond. Un autre level, c'est impossible. Ah, tu t'adaptes à mon pas? Ouais, je t'adapte. Vas-y. Non, mais garde ton casque devant. Comment ça, je garde mon casque devant? Voir ton casque, il tape vers lui. Parce que c'est comme ça? Ouais. Et le pire, c'est que moi, je sais pas comment ça rentre. Ça va, tranquille? Est-ce que je peux faire un tour scooter? J'ai le droit? Il a combien d'années, frère? Je sais pas, moi, gueule. Attendez, les gars, vous savez qui est là? T'inquiète. T'inquiète, il m'a dit t'inquiète.
Il n'y a rien d'origine sur ton scooter. Hein. Non, c'est une Peugeot ou Mazette. Bah non, c'est une Ferrari, t'as pas entendu. Ah oui, c'est une Ferrari. C'est une Ferrari. Oh, oui. Oh, si, t'as qu'à l'heure. Bon, beaucoup. Beaucoup, il est. Bah attends, mais c'est incroyable, là, on va faire quoi là? Oh, les contrats. Je savais même pas qu'il y avait un trophée comme ça, gros. On va aller chercher au bar. Elle est trop stylée, celle-là. Elle est trop belle. D'où? Et bizarrement, ils ont mis notre voiture à nous. J'ai oublié de te féliciter pour ton bac à gravier, pardon. Ah, bon. Merci beaucoup. Elle était permise, ouais. Elle était... Et comme par hasard, je sors une fois, c'est direct bin, mais. Et puis on rajoutera plus de montage. Les amis, on est en Belgique ou on est pas en Belgique, quoi? C'est pentu, hein. Et du coup, tu prends à fond, et là, tu rentres à l'intérieur. J'ai plus de conditions physiques, là. Depuis que je suis papa, j'ai pas fait sport. Du coup, là, j'avoue que je suis un peu épuisé. Oh, regarde comment c'est où, en vrai, là, tu te rends compte, hein. Ouais, là on voit bien. Et du coup voilà, ça c'est le Raidillon les gars, qui est l'un des virages les plus connus de du sport automobile. Celui-là c'est quelque chose. Hein. Boko, quoi? Pour combien tu descends en courant et tu remontes? 100 balles. 100 balles, vas-y. Ah vas-y, attends, je mets le chronomètre. 3, 2, 1, go! C'est parti! Ça doit être compliqué quand même. Les mecs, 100 balles, bien, achète 100 balles de ping-pong. T'as dit 100 balles. Ah ouais, 100 balles de ping-pong, j'avoue. T'es une machine. Ah 56, machine. 90. Moins d'une minute. Énorme. Moins d'une minute. Bah, félicitations, t'as gagné 100 balles de ping-pong. Je suis sec. 100 balles de ping-pong. 100 balles de ping-pong qui seront envoyées chez l'adresse. Merci. Merci, c'est nickel. Parce que j'ai un ping-pong chez moi. Si j'avais besoin de balles. On est des gigarostas en fait, j'ai l'impression. Ça me tue de rire. Salut les mecs. Prends l'effort, Balou. On est dans le berceau de la bière quand même. C'est après-demain la course, on peut. Champagne. Champagne. À cette avant-dernière place. C'est du jus de pomme pétillant qui pique beaucoup. Ça va, ta 15? Ouais. T'as kiffé avoir la caméra dans les mains, j'ai l'impression. T'as qu'en vlogueur. Je vais t'embaucher en fait. Hein. T'as qu'en vlogueur. Bon, on va aller manger. Parce que là, les Belges, ils font un peu trop la fête là en vrai. Hein. Et nous, on doit être sérieux quand même. Les amis, jour 2, aujourd'hui, qualification. Bon, c'est Boko qui va le faire. Chut, c'est la fanfare. On est le 14 juillet et Dobby, premier degré, il est vraiment à fond dans le défilé. Il y a des gens qui regardent le défilé premier degré. Hein. Je pense qu'il y en a vraiment plein, en vrai. Moi, j'ai jamais regardé de ma vie. Ah ouais, bah, jamais avec tes darons. Non, mes darons, ils regardent pas. Ah ouais, t'as regardé ou pas? T'as jamais eu le rêve de vouloir être pilote d'avion? Non. De monter dans un avion de chasse? Non plus. Quand? Non. Ah oui, mais vous rêviez de te level 200 et d'avoir les glyphes sur votre RAM, quoi. Moi, je voulais le Dofus Ocre. Ah ben, j'ai l'anneau PRPM. Ah, ok, d'accord. Dirigez-vous vers ces endroits, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sécurisant pour tout le monde. Il y a du monde. C'est quasi que des participants. Le délire ou quoi? Un nouveau truc en plus sur notre liste des galères. On a le coach qui est un petit peu malade là. Ça va le faire. Demain, j'ai pris les médicaments. Ouais, il a la chiasse donc il va faire une endurance, frère. De toute façon, il m'a toujours dit, si t'as envie de pisser dans la voiture, tu te pisses dessus. Exactement. Et du coup, bah si t'as envie de chier, on a plusieurs combinaisons, Boko. Et dans la voiture. Allez, Mino, tu donnes tout, hein. On y va, Mino. Nous, on se fait dépasser, toi, tu doubles. Le couteau entre les dents, Mino. Le couteau entre les dents. Allez. Oh, le coach. Oh non, le coach, le coach, t'as pas le droit, le coach. Oh, la pression, le coach. Je pensais qu'elle allait partir là-bas, le coach qui est complètement déboussolé. Donc ça dit quoi là, ces temps? C'est la 22e. 22e? 2,57? 57,324. Et les gars, il fait 2,57. Nous, à fond, on fait 3,13. C'est-à-dire 3,10. Mais non, 3,13, parce que 3 secondes, c'est vrai que c'est beaucoup. 2,55,4. Et là, on vient de voir Denis, du coup Denis qui s'occupait de nous pendant tout le GP Explorer. Et même tous ceux qu'on voit en général qui nous ont vus pendant le GP Explorer, ils nous disent cette course-là, vous imaginez même pas, il y a du level de fou furieux. Et c'est vrai qu'il y a un level de malade. Session terminée. La chaleur tempête dans la voiture. Hein. Compliqué. Compliqué? Ah, compliqué. Il y a des gars chauds. Hein. Mais il y a beaucoup de monde, donc faut arriver à trouver la bonne aspiration au moment. Sauf que quand t'es devant, tu te fais aspirer, les mecs après ils te gênent. Par rapport aux habitués, etc., le gap est pas loin. Tu sais faire 56,5 théorique. 5 dixièmes de mieux. Ouais, mais mon niveau, c'est pas 22ème. Eh, hey, t'aurais pu faire P1, y'a quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a poussé. Ouais, je sais, mais heureusement qu'il m'a aidé. Tu sais que c'était le meilleur tour au début, en fait, le mec m'a poussé dans la ligne droite. C'est vrai? Il a poussé, il s'est mis là et il a poussé. Repas de champion, les amis, ouais. Repas de 22ème. Franchement, les gars, j'ai fait le tour de ma vie, j'ai pris l'aspiration de ma vie et je fais 22ème. Ce qu'il faut dire, c'est que on est une voiture de location, c'est pas ta voiture.
donc je la connais pas. Là, il y a des gars, ils sont au championnat, ils préparent leur voiture tous les week-ends. On est sur deux que la voiture, elle avance pas, les gars. Mais c'est vrai que nous, ils l'ont rebaissé pour nous. Parce que sinon, elle glissait trop quand elle était trop performante. Et on est là pour le fun. Moi, je suis là pour le fun, mais j'ai envie d'être fun demain. À partir de demain, c'est objectif finir, les gars. Mais regardez qui est là. T'es pressé là de conduire? Ouais, je suis pressé. Ça glissouille un peu, tu verras. Ça glissouille? C'est nerveux. Ah, là, j'ai hâte. Franchement, c'est nerveux. Mieux qu'un F4? Non, je dirais que ça glisse un peu plus sur le F4. Okay. Plus joueur. C'est plus joueur, ouais. Là, on remet une 4 et on descend la 3 après ou pas? Non, là, tu mets à partir de ce moment-là, quand tu sors, là, tu mets la 4 en sortie, avant celui-là. Donc ici, là. Ouais, juste quand tu peux passer le rapport, okay. Tu mets la 4. Ce qui est marrant, c'est qu'en attendant, bah, y a des courses qui font leur vie, alors que nous, on est en pleine préparation. Eh, mais regardez le nombre de voitures qu'il y a, les gars. Bon, les gars, ça va être le départ, mais on n'a pas le droit de se mettre là. On doit aller derrière la ligne rouge, là, à croire que ça va se cartouche. Mais il y a au moins 200 bagnoles. Ça a sorti la relique. Il faut un petit coup de lingette, quand même. Ah oui, c'est vrai que tu le ressors souvent, du coup. Ouais. Tu prends celui-là pour la F4? Ouais, je sors un nouveau ou pas? Ouais. Ah ouais? Excellent. Astique-moi ça. Les gars, on regarde qui a le plus de branlettes ici. Et Dorian est largement devant. Ah ouais. Non, là, il nous a détrôlé. Oh, oui, il y a une balle de ping-pong. Oui. De la branlette. C'est un nouveau muscle. La branlette. Dorian, activité pour toi. C'est ton volant. Tu fermes les yeux et tu fais le circuit. Je le sens pas, là. Rédio. Ok, devant toi, deux secondes. Il a foncé, il a fait un accident. Non, il est au karting pour la prise au vent. Oh, Là je suis bien. Je sais qui on aurait dû envoyer au qualif, hein. Son deuxième tour. 3 minutes 8. 3.07. 3.07. Deuxième tour. Il est chaud. Il est chaud. 3.028 là. 3.028. Ah oui, il est chaud. Ouais, Reddy à fond, il vient de dire. Il prend le Reddy à fond. Ouais, il vous a aidé par. Ah là, il nous a aidé déjà. Mais Bouzy est bon, hein, vraiment. Ouais, il est en pilotage, il est vraiment bon. 3.02 le Bousinou, fait 3.13. Le pilote du jour. Oh les gars, c'est incroyable. T'as kiffé la sensation? Ouais. Tu t'es fait des petites frayeurs? Oui. Ah oui? 3 où mes mains, bah j'ai dû changer, là, j'étais total en travers. Mais le drift, est-ce que ça t'aide un peu? Ah bah oui, large. Tu es né avec moi, on a pris un drapeau noir pour qu'on aille en direction de course. Je vous ai pas tout dit. Comment ça t'as... Quoi? Je vous ai peut-être pas tout dit. Mais non, c'est quoi drapeau noir? On doit rentrer et aller voir la direction. Hein. Il a pris un drapeau noir, frère. Qui? Oui. Il a pris un drapeau noir, gros. C'est grave, ça, hein. Non. C'est quoi, drapeau noir? Attends deux secondes. T'as pris un drapeau noir? Mais là, c'est exclusion du... Non, tu dois t'arrêter et voir la direction de course. Pourquoi? Ah, c'est parce que je suis pas à 85 quand il y a un drapeau jaune. Valouze, filme. C'est un cheat code. Ils vont moins m'engueuler comme ça. Tu crois? Quand t'as une caméra, les gens, ils t'engueulent moins. Ah, la vache, drapeau noir. Et du coup, Dobby, il peut pas jouer, là. Il peut pas rouler, là. Non, on est dans le bureau du CPE, en fait. Bonjour. 60. Bonjour. En fait, ça fait trois fois qu'on a WRT, il a mis la GPS de la banque. Le trou du cul. Le bouseux. Il n'y a que le bouseux qui a... C'est moi qui ai roulé juste avant. S'il te plaît, parce que... Ça, je veux pas. Ça va, c'est gentil, merci. Comment? Non, ça, je veux pas. Tu peux pas utiliser. Ah oui, ok. Je me suis fait engueuler avec ma caméra. Ça, je veux pas. Ça, par contre, monsieur, je veux pas. Il est écrit sur la porte, hein, interdit. Je veux bien vous inviter à rouler, hein, d'accord? Ouais, je suis déjà bien gentil. Mais par contre, ici, tu filmes pas, d'accord? Là, je suis en train de me rouler un gros terre, en train de me faire sucer. Et en fait, du coup, c'était bien ça le problème, il a roulé à plus de 85. Ouais, 100 km/h. Attends, ok. Je préfère me faire engueuler maintenant que demain. Ouais, bien sûr. Allez, c'est parti.
quand je voyais que j'avais du monde derrière, je faisais exprès de me laisser passer pour que pour, dans mes virages travailler. Que je voulais travailler, j'étais solo. Donc j'ai réussi à bien les taffer, mais ça va, j'ai roulé et tout. C'est demain qu'il faut, faut ouais. être en forme. Qu'est-ce que t'as mangé mon petit bousy ce alors, soir j'ai mangé des petits, bah, du melon, pastèque, okay. tomate mozza et aussi surtout des ribs avec des frites. En fait, t'as mangé toute la carte. Et un donut au chocolat avec trois pêches. Bah, t'as mais... il a vraiment mangé la carte. Hein. Non mais hé, quand tu tournes en une, moins de 3,05, ça te donne faim. En vrai, c'est incroyable. Juste depuis tout à l'heure. C'est moi qui prends direct après Dorian. Valouze. Oh, je vais dégrader tout ton effort, frérot. Double relais. Mais je t'aime, hein, mais je vais dégrader tout ton effort. Et du coup, attends, un double relais, c'est combien? C'est 2h40 ouais. C'est 2 fois 1h20, ouais. Sachant que dans les 2 fois 1h20, t'as 5 minutes. Après, attends, tu passes une nuit de fou, toi. N'oublie pas que tu passes une nuit d'enfer. Hein. Ouais. Demain, le grand jour. Et est-ce que tu voulais qu'on fasse un petit truc ou demain matin on fait les changements? Alors moi ce que je voudrais faire, ce soir on fait rien parce qu'il faut que les équipes ils aillent dormir. Ouais. Mais demain avant midi, ça serait bien qu'on fasse des driver change. Okay. Les gros accidents, etc. c'est souvent le petit matin, surtout il y a la nuit dans les pattes. Le but c'est de pas casser le châssis. Ah si, on peut casser le châssis. Ouais, on a posé à souder qui après. Oh, bah alors on la file à 100%. Attends. Alors le but c'est pas de brûler la voiture. Ça, fallait pas dire ça. Depuis tout à l'heure je suis là, je les calme et tout là. Là on peut la remettre sur mais le ça toit. Va. Nous on essaie de faire des runs safe. En fait t'es à 2,70 de 80. Donc là il se fait dépasser. Hein. Wow. Ah Macao. Ce sera un peu moins violent, mais ce sera peut-être ça. Hein. Ouais, là, là, bon coup, là. Oh. Hey, ça fait 20 minutes qu'on veut rentrer à la qui, maison. Lui, ouais, son truc Porsche, je veux le montrer à tout le monde. Là, vas-y, je mets une heure à me changer. Allez, la princesse, là. Putain, mais j'ai jamais vu un mec aussi long à changer. Oh, bâtard. C'est sa cagoule. Ah oui, c'est sa cagoule. Non, mais ça va, j'en ai 4. Regarde. Hey, bon coup, réellement, ça fait 20 minutes qu'on t'attend. 40 minutes, Mino. Mais je suis toujours comme ça. Okay. 40 minutes à l'école. Pour te quoi, changer. C'est quoi à l'école? Oui. Je finissais toujours en dernier. Mes potes, ils m'attendaient 15 minutes en bas de l'école parce que je rangeais mes affaires. Et ça, mais ça n'a pas changé 15 ans après. Ça n'a pas changé. Je te jure. Et les gens, ils me disent, mais comment ce mec-là, il peut faire du sport et aller vite sur une voiture? C'est vrai, en plus. Mais j'avoue. Mais je te jure, les gens, ils comprennent pas. Ils se disent, mais attends, le mec, il est lent, tu vas pour ranger les affaires et tout. Eh, mais non, mais il y a même des coccinelles qui roulent ici, quoi. Tu nous fais une omelette, Boko? Mais ouais, j'ai goûté de bol. C'est pas des œufs comme ça. Des omelettes pour tes potes. Non, ça va, vous en voulez ou pas? Ah, bien sûr, 15 œufs. 15 œufs, on joue pas avec la nourriture. Non. Mais, en fait, le gars, il veut juste flex, il veut nous montrer qu'il a plein de talent. Ça, c'est l'apport en protéines pour avoir de la force pendant 25 heures, c'est ça? C'est exactement ça. Repas de champion qui nous prépare, les amis. Voilà, là, il y a 11 œufs. Un homme à marier, j'ai envie de dire. Hein, parce que, encore un nouveau talent que tu nous montres. Tu sais faire la cuisine. Exactement. Non, j'ai pas vu. Température du jour, il pleut. Ah alors, s'il pleut comme ça, on roule ou pas? Là, c'est beaucoup, là, non, ouais. Je pense pas. S'il pleut, ça risque d'être compliqué, en vrai. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est la fameuse blague. Ouais, c'est ça. Ça va, Bousy? Ouais. T'es en forme? Parce que ouais, ta course, c'est dans combien d'heures? C'est demain. C'est vrai qu'il roule demain, techniquement. Demain, les gars. En fait, si je roule, hein, parce qu'il y a peut-être un bout qui va... Et le repas du champion. Est-ce que t'as un rituel avant une course? Ouais. C'est grave. Quoi? Bah, la branlette, il nous l'a dit. Ok, déjà la branlette. C'est parti. Ok. T'as genre un repas que t'aimes bien, tu sais que tu vas te sentir en forme? Bah, les œufs le matin, comme as. Ensuite, avant de rentrer dans la voiture, tu verras, je fais toujours un truc. Bon, peut-être pas quand on est des arrêts au stand et tout, parce que là, faut se dépêcher. Je fais comme ça, je touche les genoux, les deux par terre. Et après, quand je me relève, je souffle. J'enlève tout l'air de mon corps. Il fait trop là. Moi, j'avais des caleçons exprès pour les qualifs, pour les courses. Non. Et tout, je te jure. Merci beaucoup. Les gars, c'est bon, on a compris. C'est excellent, Boko. C'est excellent, bien joué. Ah, t'es un homme à marier. Il n'y a pas de problème. Je conduis demain, moi, les gars. Attends. Tout ça n'existait pas quand on est arrivé le premier jour. Même ça, là. Même ça. Ouais. Ah oui, j'avoue, même ça. Voilà, ça pas. Ils sont en train de monter tous les gradins pour les fins. Oh, la petite voiture en préparation. Ouais, fin neuf, normalement. On doit changer au moins une fois les freins pendant les 25 heures. Ah oui ? Ça va dépendre aussi de comment on pilote, si on fait forcer vachement les freins ou pas. Et les gars, Spa, en fait, ça roule H24. Tout type de voiture. Pour démarrer, ignition on, donc on commence par mettre ça, on se met ça en on et ensuite on appuie sur start. Voici la programmation définitive et c'est le bouseux qui terminera la course. Oh, vas-y. Je suis pas clair. Exemplaire. Quand t'as retrouvé la cave. Magique. J'ai
Bon, de retour dans les vestiaires et c'est bon, hein. On va attaquer bientôt là. Dans 2 heures le départ. Dernière séance de dédicace en attendant. Attends. C'est quoi, c'est grand là ? Attends. C'est ça, petit ? Les gars, non mais en fait, vous êtes trop égoïste, vous. En mode le poster, il va regarder pour la signature. Mais non, il veut l'affiche. Donc on se met discret, nous. Pour être sûr qu'on me la copie pas. Je mets pas ma cagoule là pour l'entraînement. Bien, comme ça, je vous explique déjà en même temps. On rentre à gauche et on sort à droite. Et quand on vous dit « avance-toi », alors on avance. Comme ça, on galère pas à chaque fois rallonger. Voilà. Ça va être la catastrophe. Et après, lui, il vous prend sous les épaules et on vous tire. Ça va être à toi, c'est chronométré. Vas-y, prends les pieds. Les pieds, on a dit les deux pieds. C'est raté, mec. Allez, go, go. Allez, go, 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 go. Bon les gars, on va faire une petite photo de place là-bas. Regardez ce qu'on trouve du coup sur la piste. C'est vraiment des débris de gomme. Et ça, quand tu roules dessus, ça glisse à mort. Et je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Dis-toi, on est assis sur le tracé de Spa. Ou dans une semaine, il y a la F1. Tu vas bien ? Ouais, ça va. Hein. Non, ça va aller, on va s'amuser. Les futurs gagnants, ils sont là ? C'est le grand patron de la Fan Cup. Et là, ce qu'ils ont fait, ils ont mis notre voiture en tout premier pour qu'on fasse des photos. C'est incroyable. C'est la seule fois qu'on sera premier sur la grille. Profitons-en. Allez, 3, 2, 1, ouais. Non, franchement, on va passer un week-end incroyable. On va essayer de vous mettre dans les bonnes conditions. On va essayer de la terminer, cette course. C'est le principal, ouais. Il n'y a plus personne, frère. Ça fait trop bizarre de voir le garage vide. Il est vide. Viens. Ça commence. Les gars, ça va commencer bientôt. On va vivre la course comme dans les années 80 où il n'y avait pas de télé et tout. Ouais. Parce que les gars, c'est pas retransmis à la télé. Que à la radio. Ouais, c'est que à la radio. Bah pour vous partager un petit peu certaines images, ça va être dur. On va essayer d'en gratter un maximum et d'en faire. Il faut vraiment qu'il y ait une chaîne télé qui, je pense, la sponsorise, mais paye de la production et... Je pense que ça ferait des viewers, moi. Ouais, moi je suis d'accord. Ça y est, ça arrive, les amis. Regarde, il empêche de se mettre à droite. Ouais, je commence à double déjà, frère. Regarde derrière, on le portait plus. Wouah, le nombre de voitures. Oh, la dinguerie qu'il fait. Bon, allez. Mais frère, il y en a encore là, frère. Alors, wesh. Vous entendez ce bruit? Le nombre de voitures! Mec, on va être là-dedans pendant 25 heures! Oh. T'as trouvé un classement direct? Il est combien? 15. 15ème? Il est 15ème, ouais. Oh, il est 15ème, le Boko! Oh, la gueule que je vais avoir quand je vais récupérer la voiture top 10. Ah, il peut faire top 10. 37 minutes. 37 minutes déjà? Ouais. Il était parti 23, il est remonté 5 et là, il vient de faire un accident, il est 112. Il est 5, les gars. Je vais récupérer la voiture top 1. On va voir Valouz. Attends, mais Valouz, il est 82 là. Un abandon juste là. C'est dans ce moment-là que tu te dis qu'est-ce que je fais, je sors de ma voiture ou pas? Mais il vient d'avoir un crash devant nous, les gars. Il vient d'avoir un crash devant nous. Ça arrive si vite. Les amis, mise à jour après une heure de course. Il est premier là.
Il est premier. Il est premier, les gars. Il est premier de la course. Voco est premier de la course après une heure. Waouh. Oh, il a mis une pilule à tout le monde. Ah, il a mis une pilule. Ah, j'avoue, il a mis une pilule. Il est mort dans le film, gros. Bah, tout ça, c'est la pluie. Et elle arrive à 19h. Et là, c'est pas un petit nuage, gros. On change les plans, on change les plans. Après 2 heures de pluie. Mais les gars, je vais pas pouvoir rouler 2h40 sous la pluie. Hein. Mais attends, je vais récupérer la voiture top 1 sous la pluie. Waouh, le coup de pression que je mange. Bon, vous avez suivi un peu ? Il est chaud de ouf, hein, il est trop fort. Au taquet. Waouh. Voilà, c'est un champion, hein. Solide. On est bien, on est bien. Solide. J'ai de la pluie sur mes lunettes. Ça met un peu la pression. Et là, Dorian, il va être mort, là. Ça fait 3 heures, il est dans la caisse. Ouais, mais je sais pas comment je vais faire pour rouler autant. Le champion. Le champion. À demain, Valouz. L'écran il m'affichait plus les vitesses. Tu es là, mais comment je fais? Mais comment, du coup? J'ai tout éteint. Pendant que tu voulais. Pendant que je voulais. Et j'ai tout rallumé. Premier, ouais. Je sais. Premier. On était des sons dans la voiture. Maintenant c'est Valouz qui est sur la voiture. Je voyais rien. Il y a un moment, il y a eu tête à queue en face de moi, derrière moi, en sandwich. Il passe à ça de moi, celui devant et derrière. Bravo, parce que les conditions, la touille. J'ai des crampes là, ici. Double relais, c'était chaud. C'est physique. C'est physique. J'ai doublé une personne, c'est tout. On est combien là? 35, c'était. 35? Ouais. Il a draché, mec, dans le raidillon, le premier. J'arrive pour le raidillon. Grosse drache sa mère, j'étais en mode. Oh! Hey, j'ai pas cartouche la voiture! C'est pas mal. J'ai redescendu un petit peu parce que c'était full adrénaline. Waouh! Wow, la première session de 2 heures, c'était quelque chose. Hein. Il a draché, mais quand je dis draché, c'est vraiment il a draché de chez draché. Plus d'essuie-glace qui marche. Juste il faisait ça. Mais genre vraiment un tout petit peu. Du coup, je pouvais regarder que dans un petit angle. C'était une galère monstre. Effrayeur, adrénaline, mais j'ai jamais vécu ça. Et l'endurance, ça change de tout ce qu'on a fait. Bon, mission dortoir, les gars, on va chercher un endroit au pieute. Ah ouais, vous réveillez à quelle heure, vous? Moi, dans 2 heures, moi. Toi, tu te réveilles à quelle heure, toi? Bah, moi, dans 4 heures. Vas-y, je vais attendre 2 heures, je crois. Prends une chaise, mais t'es avec. Comment ouais, ça prend une chaise? Je crois que je vais dormir sur une chaise ou quoi? Il y a ce qu'on va faire. Bon, si tu veux te mettre sur la table, tu peux, hein. Ah, mais il va être avion. Ah oui, merde. C'est le traviole, le bail. Bah, prends un deuxième, hein, tu vas coûter tout de demain. Hey, t'es sûr qu'elle tient la table, hein? Oui, oui. Non, en vrai, non. Ça va pas tenir. Eh, hey, vas-y, Coco, c'est toi le plus léger. Hey, vas-y, j'attends, je m'en bats les couilles. Ah, attends, j'enlève la jambe de dessous, quand même. Je dors un peu bancal, mais... J'ai une lumière en pleine gueule. La nuit de merde. Oh putain, la nuit de merde, frère. Et dès que vous y va partir, je vais aller ici. Hein. Dans quoi tu nous as embarqué, Boko? Le chacal. Boko, il était au courant de tout ça. Hein. Déjà, là, ça sent un peu le renard. Tu nous l'as pas dit. Hein. C'est vrai que ça pue le fauve, déjà. Je le savais. Je le savais qu'ils étaient pas prêts, les minots. Je le savais. Là, je me roule dessus. Il va me rouler dessus. Il va se réveiller. Vous dormir ensemble sur le petit truc. Ouais, moi, je suis en train de glisser, sa mère, là. Mais attends, mais non. Mais c'est quoi ce bruit? Mais c'est qu'est-ce que tu... Mais les gars, je m'endors! Laissez-moi dormir! J'ai pas roulé, moi! Oh, mais ça me dégoûte, les SMR. Je te jure, je vais péter un câble. Bah, SMR pour dormir, les gars, y'a rien de mieux. Non, je vais péter un câble. Les petits bruits de ciseaux là. Vas-y, et toi, tu roules dans 2 heures, gros, dors là! Mais je dors! Je vais vraiment câbler, frère. Là. Je supporte pas les SMR. Les gars, dites-vous que Dobby là il est en train de rouler. Bon, vas-y, les gars, bonne nuit. Hein. Bonne nuit, les gars. Bonne nuit, Bouzy. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce fuck?
le mec. Le mec, il a pas encore roulé derrière Mino. Il fait trop le chou, il a pas roulé. Le pote, il a pas roulé, frère, il se retrouve dans une caravane. Les gars, il y a un feu d'artifice au moment où on dort. Et c'est pas mon cul. Là, c'est une mission, les gars, pour dormir. Non, mais là, les gars, je vais m'en souvenir de cette nuit. Hein. Deux spins, accrochage, donc des dégâts. T'as fait deux têtes à queue ? Ouais, mais têtes à queue où j'aurais pu rendre la voiture, quoi. Ah, tu dégoûtes ! Là, c'est Dorian qui est parti, ensuite c'est à Dobby. Les gars, il est 4h30 du matin, j'arrive plus à dormir. Je vais voir un petit peu l'ambiance. Déjà, là-bas, ça chante. Ça va ? Pas trop fatigué ? Non, j'ai pété le moteur au bout d'une heure. Non. Ouais, moi j'ai roulé sur la drache là. Ah oui. Mais ouais. Celui-là ça marchait plus et tout. Mais non. Je te jure, c'était une galère. Ah ouais, galère ça. Ouais. Pas trop fatigué ? Non, c'est pas. Il roule bien beaucoup ? Il est en 58 tous les tours là. C'est une machine de guerre. C'est bien, c'est bien. On est combien là ? 40. 40ème ? On a un souci sur la voiture. C'est le truc qui vibre peut-être, non ? C'est vrai que quand on a roulé, on avait senti une sensation de vibration. Dobby aussi, peut-être que c'est lié à ça, je sais pas. Apparemment une perte de frein, donc on a regardé s'il y avait une fuite de frein quelque part, mais rien à trouver. Non mais les gars, je rêve. T'es vraiment burger. Le plus beau sac au monde. C'est excellent. Et là t'as trop tes dents. Oh Mino, ça va ? J'ai perdu les freins. Ouais bah ouais, on a vu. Ça a surchauffé, j'ai perdu les freins. Et ça freinait plus ? Non, je suis arrivé au fond. Mais j'ai fait un tout droit, j'ai fait un tétac que de partout. Un truc de fou. Du coup c'est pour ça que je suis rentré, parce que je me suis dit si jamais il y a un truc. En fait c'est juste une surchauffe. Le Dobbs il roule 1h30, après c'est moi. Mais il y a des gens, ils nous ont dit, qui c'est qui roule chez vous ? Boko. Et il va vite hein. Mec t'as fait 2,56. Ouais, j'ai vu. Là ça va glisser un peu moins alors. Parce que la pluie c'était violent. C'était cool là. Ouais. J'ai bien roulé. Ouais. On va aller voir le coach. Ça sent que la voiture là elle est usée hein. Quand tu freines, bah 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 bah. Les disques ils sont morts. Je vais voir on est combien. On est 42ème, j'ai gagné une place en doublant personne. C'est juste il y a tellement de crash. En vrai je pense qu'on peut monter 40 et tenir la pause. C'est bientôt stint. T'as pas dormi encore? Mec j'ai dormi une demi-heure je crois maxi. J'ai gagné une place. C'est beau ça. De 43 à 42. Putain, mec le nombre de crash qu'il y a eu gros dans ma session. Oh. Estomber hein. Les gens c'est des zinzins. Ouais mais c'est des malades. Et gros toi aussi quand tu freines. Ouais mais alors ça tu sais pourquoi? Le disque il est voilé apparemment. Ouais, ouais. Au début ça me faisait bizarre hein. T'as vu? Et t'as dormi que 30 minutes là. Je te jure ouais. En 25 heures pour mon... Ah ouais non mais c'est un mauvais. Petit déj de champion des œufs frère. Regardez comment on se régale à la Fun Cup. C'est grâce à vous monsieur si on gagne des places aujourd'hui. Ouais c'est vrai. Ouais, vous êtes combien? 42. Ah ouais vous étiez 44 tantôt je crois.
Ouais. Oh là 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 là. Les runs en général c'est 2h, entre 2h et 2h40. Moi j'ai fait 2 runs à 2h là. Bon allez beaucoup hein. Avec les accidents, on vise le top 30 là. Mais ça serait insane le top 30. On était là à dire ouais putain on va faire dernier. Mine de rien, on s'en sort bien. Il est pas mal, en vrai, il est pas mal. Triste nouvelle, le bouseux le premier à avoir perdu la voiture. Les vibreurs ça élargit les plaquettes. Nous on appuie pour recoller les plaquettes, mais si ça surchauffait, bah, ça revient jamais. Et du coup bah il n'y a pas eu de frein et chut, back. Et là il y a temps pour se faire tirer du coup. Ouais, je crois. Il y a un fou coursier l'eau, c'est lui. Ouais ouais c'est putain. Oh là 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 là. Oh la voiture elle est dégradée. La voiture elle a pris un coup dans la gueule. Et on change de pneu aussi. Oh c'est sérieux. Oh putain la vache. Attends j'enlève le casque et je t'explique. C'est Boko qui va reprendre. C'est des nouveaux freins, tu peux tartiner gros. T'es tiré par la grue pour sortir du... Ouais. Oh ça a perdu trop de temps, enfin 3 minutes. Quand t'as fermé la porte j'ai fait gaffe au frein. Ouais bah il me l'avait dit de toute façon. Alors que je pompais hein. Ouais. Oh ça me faisait flipper. Ouais ça fait flipper parce que c'est random. Ah ouais c'est random. Et s'il y a une voiture devant toi... Il y a des virages, je pompais un peu avant. Mais quand tu pompes et qu'il n'y a rien, bah ça va tout droit et... Ouais, oh bah les freins ils ont pété quoi. On perd peut-être le top 50. Limite on peut se rassurer. Je me suis pas pris de mur. Ouais. Imagine je freine. T'as vu l'arrière ouais. L'arrière il est arraché là. Les amis, je regarde le classement. On est actuellement. On s'est arrêté environ 15 minutes, je dirais. 54ème. Donc le top 50 jouable en vrai. Écoutez, je suis pas si fatigué que ça parce que j'ai pas beaucoup dormi, genre 30 minutes. Et je suis en pleine forme encore, mais c'est encore l'adrénaline. Je pense que ce soir, je vais être KO. La Fun Cup, c'est aussi des anniversaires, mon petit bousy. Tu sais, le mec qui s'en bat les couilles, qui met genre bon anniversaire, il te met BA. Nico le boss. Je vais attaquer le dernier relais et normalement, si je dis pas de bêtises, on devrait pouvoir faire top 50 et finir la course sans grabuge. Concentration maximale pour finir cette course, c'est le choix que j'ai fait, faire attention. Peut-être pas trop non plus, tu peux quand même. Le dernier relais. C'est quoi ? Allez, on compte sur toi, Bouzy. Le dernier relais, les amis. Le dernier relais, là. Il y a une barre, elle s'est détachée. Je sais pas de où. Et elle s'est décrochée sous mes pédales. Elle était bloquée. Du coup, je pouvais plus freiner et tout à fond. Pendant une fois, je devais tirer dessus et tout, frère. C'était une mission. Eh, y a vraiment tout type de problème qui peut t'arriver en vrai. Hein. Tout repose sur Bouzy. On est combien là ? Là, on était 47, je crois. 47 ? Ou 45, 47. Après, avec les changements, ça varie. Regarde l'arrière. La roue arrière. Il était dans le raidillon. Il prend à fond, il fait la tête à queue. Il a tapé l'arrière. Santé, les amis. On s'est retenu depuis 3 jours là. Mais en Belgique, on n'est pas en Belgique là. On est actuellement 47ème. Top 50 les amis. Là on regarde les petits temps, On a bougie. Pris un coup de pression quand même ce matin avec les plaquettes. Hein. Ouais c'était chaud ça. En vrai c'était chaud. Mais ouais. C'est cool d'avoir vécu un petit truc genre en mode les mécanos ils étaient là, ils sont donnés à fond et tout. Ah mais non mais déjà moi ça m'est jamais arrivé d'arriver là et ça freine plus. Bon les gars ça va être la ligne d'arrivée. Il reste 15 minutes de course, Bouzy apparemment a fait un tête à queue ce fou. C'est là ça. Il a fait un tête à queue dernier virage. Il met un coup de pression lui. Il est là. Hey, on pourra dire tu l'as été. Tu l'as été pendant la course. On pourra le dire. Il y a 25 heures. Il y a 25 heures, il était top 1. 24 heures, il était top 1. C'est la fin. Allez Bouzy, c'est pas maintenant qu'on lâche hein. Il est où? Oh il est là.
Ça y est, Milo. Putain, bravo. Putain, ça joue les gars. 25 heures, c'est bon, on a fait le 25. Top 50 pour le premier. Top 50, incroyable. Tu nous as mis dans un petit bourbier quand même. Un beau bourbier. On l'a fait. Très bien. La première. On va venir maintenant. Le mec, je pensais qu'on allait faire top 100. Vous aussi dans la voiture, là, il doit être en mode. Oh, on nous avait pas menti quand on disait que quasi tout le monde avait des coupes. Non, mais il y a beaucoup de catégories, comme tu sais. Ah ouais, ça s'appelle la salle des trophées. Vu que je pourrais jamais me la permettre. Oh, elle est lourde, sa mère. T'as pas le droit de la toucher parce que ça porte pas bonheur. Ouais, moi je touche pas. Toi, tu peux peut-être un jour potentiellement l'avoir. C'est ça, c'est 46. 46e. Petite pensée à Valentino. On a fait 50. L'équipe de choc là. La nuit blanche. Elle est bien passée. Ah, il fallait vous donner un coup de main, les gars. Oh, le caractère, les gars. Alors, tu t'es fait des prières ou pas là-bas? Oui, oui, oui. Mec, t'as tartiné. Hein. Oui, je tartiné. Mec, t'as roulé en 3. 3-0-0. T'as fait un tête à queue? Bah, ouais, je parlais les francs. Non. Putain, je suis. En vrai, on s'en sort bien. Peut-être que nous est arrivé quand même des petites galères. J'ai crouillé dans mon. En plus, j'ai sauté. Non. Bah, ouais. T'as sauté sur le vivreur ou quoi? Bah, dernier virage. Je vous ai confiance, je pompais pas. 46. Édition 1, top 50. Édition 2, top 23. 23. C'est la moitié. On a compris, les gars. Merci beaucoup. Voilà. On peut les applaudir. Merci. Ils ont terminé cette tour de 25 heures. Vous avez beaucoup de péripéties, mais en tout cas, je tiens à féliciter les garçons pour leur première endurance. C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Bravo, les gars. Bonne entente, bonne ambiance, vive la Belgique. J'écouterai plus ta chanson de la même façon. Tu te coupes un souvenir, ça fait plaisir. Franchement, elle est pas mal. Hein. Tu te rappelles ta coupe du trophée Andros? Ouais. Elle était miskine en vrai, celle-là elle est pas mal. Hein. Ah, le meilleur ingénieur de tous les temps. Ouais, t'inquiète. Oh là, la machine. La machine. C'était un plaisir de vous avoir. T'as pas dormi. La meilleure machine de tous les temps. Même si des fois tu répondais plus à la fin. Il a dormi une fois, c'était toi. Il était comme ça. Je faisais, ouais, c'est normal, nanana. Pas de réponse. Et il t'a fait une petite frayeur là avec son tête à queue à la fin. Ouais, et puis en plus après il disait non, mais je vais assurer pour les gars, je vais pas pousser. Va le chercher, c'est pas grave. Et il est rentré à la T'as fin. Dit ça, je vais assurer pour les gars. Ah ouais. L'année prochaine, on remet ça donc, j'espère que tu seras là. Bravo les gars. Et ça me fume, on célèbre ça comme si on avait fait top 1 les gars. Le garage il est vide, c'est plus. C'est les mécanos de l'extrême. Les Formule 1 la semaine prochaine. Ouais. Mais non, nous on se laisse pas. Ah, ok. Ouais, les gars. Putain, on est. Ça fait 25 heures, 90 debout. Merci à vous aussi. À l'année prochaine. Allez, je tenais quand même à dire quelque chose d'important. Les Belges, les gars, vous êtes incroyables. Une dédicace à toute la Belgique. Vous êtes magnifique. J'ai grandi la moitié de ma vie en Belgique. Et moi, plus tard, je me vois vivre en Belgique. J'adore ce pays. Je vous estime pas les Français en disant ça. Enfin, je suis pas là à dénigrer les Français. Mais les Belges, il y a un mood. Mitraillette, sauce samouraï. T'as pas goûté, toi, encore si, ça. J'ai goûté. Mitraillette, mais ça me dégoûte. Hein. Moi, ça me dégoûte vite. Hein. Non, mais les Belges, je parle pas de vos spécialités, les gars. Mitraillette. Tu manges trois parts, t'es déjà mort. C'est un fou. Allez les gars, on plie bagage. Qu'est-ce que tu bois, Mino? C'est le champagne de la victoire. Mais tu bois du champagne? Tu peux pas claquer quand même. Bon allez, direction McDo et puis dodo. Hein. T'es fatigué ou pas, Bouzy? Là, je suis stone un peu là. T'es un peu stone? Genre, je suis l'adrénaline qui redescend. Ouais, je suis d'accord. Là, j'ai les yeux, j'ai les paupières lourdes. Vas-y, va, je mets la clim.